3, 2, 1, go. Et c'est parti. Alors on a le droit à 1 minute 6 d'introduction qui en temps normal dans le speedrun classique ne sont pas pris en compte. Le time normalement démarre, enfin le timer démarre normalement au contrôle de Link, au tout début vraiment quand on commence à contrôler Link. Mais c'est pour ça que l'estimate est à 1 heure. Ton personal best il est à 44 minutes 34. Ouais. Donc ça fait une petite marge quand même non négligeable. Mais bon, il y a des choses qui vont être très compliquées, des choses qui vont être pas simples à gérer dans le speedrun. Et vous allez le voir faire des ce qu'on appelle des setups. Il va essayer de placer certains ennemis pour être pour réaliser différents glitches qui vont lui permettre de véritablement casser la physique du jeu et dire bah attends, ça en fait c'est trop long de le faire à pied, donc on va le faire en volant, en surfant, dans les airs, en inventant des techniques de déplacement. Donc voilà, on contrôle notre cher Link. Prends cette tablette Shake là. Elle te guidera vers. Elle te guidera après ton sommeil. Elle te guidera après ton long sommeil. Elle te montrera la voie. Elle te montrera la voie, effectivement. Donc ça, je pense que tous les speedruns de Breath of the Wild l'ont entendu un millier de fois. Oh oui, peut-être plus. Peut-être plus. Et donc on va commencer par par ce qu'on appelle des petits zips, des clips, avec le scoo. Donc le scoo, c'est un angle en fait qui va permettre de passer à travers à travers certains murs. Donc là on le voit, il va tout simplement être dans un angle très spécial et en activant la tablette Sheikah, il va se retrouver dans le mur. Vous allez le voir. Tac, pas encore. Donc voilà. Le jeu il est cassé. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça permet d'éviter en fait les premières introductions au jeu où on vous dit tu vois ta barre verte, c'est ta barre d'endurance, et ta barre d'endurance, en fait ça vous bloque le contrôle de Link et du coup ça ralentit. D'autant plus que derrière quand vous sortez du sanctuaire, il y a une cinématique avec une petite musique qui vous dit oh que c'est joli, c'est vide. Hein, donc au final ça fait perdre énormément de temps. Et donc là on sort tout de suite. Et donc on se met en mode accroupi, simplement pour récupérer donc quelques petites choses, notamment ce scarabée qui va permettre de créer une potion plus tard. Parce qu'on peut faire des recettes dans le jeu, et les recettes ça permet d'augmenter nos statistiques. Dans les différentes statistiques, il y a l'endurance, il y a la vitesse de grimpe, il y a l'attaque, il y a la défense, il y a plusieurs choses. Notamment il y a les PV aussi, les points de vie, donc là il en a 3, il restera à 3. Donc là vous voyez, il va récupérer du piment, ça c'est surtout pour éviter de mourir. On récupère un couvercle de permis parce que sinon, pour faire la cuisine, c'est moins efficace. Mais c'est surtout pour autre chose qu'il le récupère. On va le voir bientôt. On va le voir tout à l'heure. Le bouclier qui est une des armes les plus cassées, hein, qui va permettre de faire énormément de choses, donc notamment de surfer comme ça. Donc pendant que vous êtes dans un saut, en fait, vous allez pouvoir utiliser le bouclier pour surfer et rajouter un peu de distance à vos sauts. Et on récupère la hache. Link. Link vers le lieu que t'indique la carte de la table de Sheikah. C'est le genre de texte que tout le monde connaît en fait. Voilà. Sachant que la langue française est la plus rapide pour René, avec l'allemand. Avec l'allemand, et l'allemand est la run la plus rapide pour quelques petites optimisations, mais c'est vrai que entre le français et l'allemand, il n'y a pas de grande différence, donc à moins d'être dans les top niveaux, ça sert pas à grand chose de changer la langue, en tout cas pour nous, runners français. Donc voilà, on escalade. On prend des dégâts à cause du froid parce que forcément on est un peu tout nu, hein. On est un peu tout nu et que Link, bah, quand il est tout nu, bah, c'est un peu comme vous. Je pense que vous devez pas trop bien le ressentir. Est-ce qu'il va se faire toucher? Il y a de grandes chances. Non, j'ai réussi. L'esquive avec le saut du bouclier, très très propre. Parce que là, ça aurait pu être très punitif. Je sais pas si ça fait perdre un demi-cœur, je pense. Bah, je roule et je meurs en fait. Voilà, il roule et il va mourir à cause du froid, donc là il va falloir se soigner un petit coup je pense, peut-être, ou alors ça passe. On va la jouer safe. On va la jouer safe histoire d'être tranquille, parce que le temps où en fait il y a ce qu'on appelle des types de dégâts, en fait le temps entre chaque moment où vous allez prendre des dégâts par le froid, il dépend en fait de la zone dans laquelle vous vous trouvez en fait. Il y a en bas à droite, à côté de l'espèce de carte, enfin de boussole,
vous avez en fait un indicateur de froid. Si l'indicateur est très bas dans le froid, en fait, vous allez prendre des dégâts beaucoup plus rapidement. Et donc là, premier clip avec le scout, donc il a grimpé un petit peu sur le sanctuaire, et en faisant donc sa petite roulade avec le bouclier, en fait, tout simplement, il va pouvoir passer dans les textures, dans un endroit très spécifique du sanctuaire, et pouvoir clipper directement à l'intérieur, ce qui va lui permettre tout simplement d'éviter toute cette animation où il va faire. Et tout ça qu'il va faire à chaque fois, il y en a 4 dans lesquels il va rentrer de manière un peu incongrue, on va dire. Et ça va lui faire gagner un temps considérable. Et là, que ça passe du premier coup, c'est pas anodin, c'est franchement plutôt bien. C'est plutôt bien joué. Donc là, voilà, on va récupérer le Stasis, qui est le Cinétis hein, en français, qui permet de bloquer les animations des rouages, des mécaniques et même certains ennemis. Ça peut même arrêter certains ennemis, notamment les Linel. Sauf que bon, en fonction de la puissance de l'ennemi, eh ben, ça va pas l'arrêter très longtemps. Quoi. Donc là, on arrête la boule tout simplement pour... la boule magique. Pour pouvoir passer tranquillement. C'est comme ça qu'on doit le faire de base. On va prendre un bouclier ici, dans le sanctuaire, histoire d'être un peu plus safe. Parce que les boucliers, bah, ils vont pouvoir se briser potentiellement. Hein, comme tout objet dans le jeu... Même l'épée de légende se casse, pour ceux qui ne le savent pas. Mais bon, heureusement, elle perd de son pouvoir, donc elle est inutilisable. Donc là, récupère un marteau de fer qui va nous être utile pour setup des petits sauts un peu craqués. Et donc, vous voyez, le bouclier, c'est très fort. Bon, normalement, il aurait fallu utiliser Cinétis pour, avec le marteau, bouger la boule. Bah, en fait, ça sert pas à grand chose si on peut sauter directement et qu'on a... Un regain de distance avec le bouclier et le saut, le shield jump. Sachant qu'en soi, on peut aussi utiliser une bombe. Le jeu n'est pas restreint en termes de liberté. Oui. Oui, parce que effectivement, on peut utiliser une bombe aussi pour le déplacer. Enfin, le truc, c'est que là, on commence par celui-ci parce que c'est celui qui va être le plus pratique pour se déplacer le plus rapidement dans le speedrun. Mais on pourrait très bien commencer par aller récupérer l'un des trois autres pouvoirs qui restent, plutôt que celui-ci en fait. Là c'est un choix du runner, parce que du coup il sait qu'il va avoir à aller très rapidement dans la suite du run, et ça va lui permettre, vous allez voir des choses, ça va lui rendre l'overworld, donc le monde très 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 accessible et très rapidement. Donc là, tiens. Mais d'où il surgit, d'où vraiment. Vraiment, de n'importe où, de nulle part. Donc on utilise la deuxième text box, enfin la deuxième réponse, moins de text box je présume. Exact. Voilà. Toutes les réponses sont millimétriques, si je veux dire, c'est comme ça. Voilà, donc... sont précises. Donc voilà, il nous dit, bah écoute, tu sais quoi, si t'arrives à m'en ramener trois autres de plus... D'ailleurs, regarde bien. Elle est pas là, la tour. Hein ? La tour n'apparaît pas. Ah oui, la tour n'apparaît pas, c'est parce vrai. Parce que du coup, on a clip et on n'a pas été activé à tout. Ouais, c'est vrai. C'est une des particularités du nouvel N1%. Donc là, vous allez le voir, on va utiliser donc le launch. Donc là, on tape directement plusieurs fois. Et hop, avec la flèche, on va se mettre à un endroit précis. On va annuler et hop, on s'expulse tout simplement grâce à ça. Donc là, un petit coup de surf dans la neige. Qui n'a pas rêvé de faire ça dans la vraie vie? Et attention, c'est parti. Donc voilà, là, on peut applaudir parce que ça, c'est exceptionnel. Ça fait gagner un temps fou. C'est une technique de déplacement. Vous allez revoir. Et donc là, en fait, grâce au fait de rééquiper en fait ces objets, on va pas prendre de dégâts de chute. Apparemment, on est censé mourir. Hein. Enfin, si vous sautez d'une distance, plus vous sautez de haut, plus vous allez prendre de dégâts de chute. Et là, bah, du coup, vous n'allez rien prendre du tout du fait que, tout simplement, bah, vous rééquipez votre objet, que le jeu il dit, bah attends, t'es en train de rééquiper un objet, donc t'es censé être quasiment au sol, bon bah écoute, je te fais pas prendre de dégâts, y a pas de problème. Donc là, on se place correctement, et ça passe du premier coup, incroyable. Franchement, vous pouvez applaudir encore une fois, parce que c'est vraiment pas simple. Donc là, il va encore essayer de remonter, en fait, parce qu'il est vraiment trop en dessous. Et super, ça passe, voilà. Donc comment casser le jeu complètement, hein, on est...
On est sur un 1% complètement cassé. Et donc là, on va récupérer le Cryonis. Exact. Exact. Voilà, le Cryonis qui permet donc de créer des plateformes de glace. Et les plateformes de glace, ça va aussi permettre quelques petits lunchs de temps en temps. Ça a plusieurs usages pour des bugs assez rigolos. Par exemple, envoyer un gardien tellement haut dans le ciel qu'il ne retombera jamais. Mais c'est des bugs un peu inutiles. Mais ça peut servir pour certains bullet time bounds, le glitch que j'ai fait juste avant avec le monstre, le Bokobla. Donc tout simplement le bullet time bounce, en fait, la mécanique elle veut que lorsque vous êtes sur votre shield, enfin sur votre bouclier, et que vous utilisez en fait le bullet time, c'est le moment en fait où vous, tout simplement vous pouvez ralentir le temps en visant correctement. Donc ça, c'est une mécanique inhérente du jeu. Lorsque vous faites ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que le jeu va dire attends, t'es en train de t'arrêter. Et en fait, quand vous allez reprendre votre vitesse, alors voilà, ici très très bien réalisé encore une fois, vous allez tout simplement vous faire éjecter à la vitesse à laquelle vous allez reprendre le jeu, et tout simplement il va faire oh bah attends, je t'ai envoyé super haut, c'est pas grave, pas de problème, tout va bien. Donc là, on récupère le deuxième emblème du triomphe. Sachant qu'il faut les 4 pour pouvoir sortir du plateau. Et pourquoi il faut donc les 4? Parce que le vieux monsieur d'Hyrule nous dit bah écoute, si tu me les ramènes les trois autres qui restent, je te filerai un super item qui s'appelle le paravoile. Qui était déjà un item présent en Skyward Sword. Qui n'avait pas du tout la même utilité. qui permettait juste de ne pas mourir quand on atterrissait au sol et qui se déclenchait quasiment automatiquement. D'ailleurs. Alors que là, il a vraiment une utilité de découverte de l'environnement dans lequel on évolue dans Zelda. Donc là, on fait un petit placement très particulier donc, pour manipuler le comportement des ennemis. Vous allez le voir, en fait, il va tirer une flèche, un très très bon... Je sais pas si ça passe, je vais se concentrer. Donc voilà, faire le fait de faire des contres avec le bouclier. Ça passe. Oh, d'ailleurs, c'est un très très c'est bon. C'est très très beau parce qu'il a vraiment un très bel angle et que ça passe comme ça encore une fois du premier coup, c'est vraiment super. Tout se passe bien. Alors vous voyez, le jeu il s'arrête, c'est parce qu'en fait il charge. Comme on n'est pas censé aller à cette vitesse, il charge tout simplement les déplacements. En fait, vous voyez, là on est en train de le voir, il est en train de charger la carte en même temps. Normalement, c'est évolutif le chargement de la carte, mais comme on va trop vite pour le jeu, il fait ah bah non, attends, ralenti. Et là, magie. Et magie. Ah, il est loadé. Dommage. Normalement, en fait, si on va assez vite, le shrine n'est quasiment pas loadé. Les portes ne sont pas loadées. Donc là, encore une fois, on va faire un setup, mais encore une fois, un autre, d'une différente manière, encore une fois. Donc encore une fois, premier coup. Et on remonte, parfait, on peut examiner l'ascenseur et rentrer directement. Donc là, pour l'instant, tous les scouts se sont passés parfaitement bien. Donc les scouts, c'est justement cette manière d'avoir un angle très particulier pour pouvoir clipper. Donc traverser les murs, alors que là on va arriver, comment s'appelle celui-ci? Magnésis, voilà, Magnésis, toujours un doute. Donc Magnésis qui sera l'avant-dernier, et le dernier, le plus apprécié des joueurs de Smash, qui est la bombe, pour en tout cas ceux qui jouent Link, qui donc permet de d'utiliser des bombes à l'infini. Déjà, il n'y a plus ce système de on doit récupérer des bombes pour ouvrir un passage. On a des bombes à l'infini, il y a un temps de recharge, comme tous les pouvoirs de la tablette Sheikah. Et d'autant que ici les bombes vont permettre des choses un peu abusées, notamment justement un peu comme le bullet time, tout simplement de recalibrer en fait la direction dans laquelle on va se faire injecter. Et c'est on s'est fait écraser. Donc c'est pas très grave, on va recommencer au début de ce sanctuaire. C'est pas très très grave, mais c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Ça arrive rarement, normalement quand on colle bien le bloc et qu'on pousse tout comme il faut, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais bon. Des choses qui arrivent. Et on prend l'escalier parce que... Une échelle, pardon. C'est vrai. Là on prend l'escalier. Donc là, mais normalement on se colle bien et il n'y a pas de problème. Parce que tout va vous tuer hein, si vous faites pas attention. Donc là on fait attention à ces petits gardiens. Donc encore une fois l'utilisation du bouclier pour gagner un peu de saut. Et là le magnétisme pour ouvrir la voie. Donc tu joues au gyroscope hein, je crois. Hein. Oui.
Voilà. Alors, chose qu'il n'y a pas sur Wii U, par exemple. Voilà, seule chose qu'il n'y a pas sur Wii U, le gyroscope, effectivement. C'est y a... tellement pratique. Mais c'est vrai que ça permet tout simplement d'un coup de manette d'agir directement et de ne pas avoir à utiliser un autre stick, un autre joystick, tout simplement pour pouvoir déplacer ou autre. D'ailleurs, du coup, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'attends bien avant de passer. J'attends que le texte s'en aille pour pouvoir justement gagner du temps sur le chargement. Oui. C'est vrai que quand on, parce qu'on peut directement passer ces textes, mais si on le fait, en fait, le chargement sera un peu plus long. Allez, on y croit au troisième BTV. Le troisième... le plus dur. Bullet Time Bounce. Donc là, tout simplement ici, on va juste prendre cette plateforme, on va la taper comme il faut. On la cinétise pour donner son momentum. Momentum, tout simplement. Ici, on va prendre un petit peu de dégâts, mais c'est pas très grave, c'est un cœur de dégâts. Et donc ici, Bullet Time Launch. Est-ce que ça passe ? Ça passe ! Super ! Donc là, il faut s'arrêter très rapidement, parce que si on sort de la zone d'Hyrule... Ah, le chargement, c'est bon. C'est vrai que le chargement, ça aurait pu être catastrophe. Parce qu'en fait, si on sort de la zone des rues, en fait, on va être re-téléporté bien plus loin. Et c'est pas ce qu'on veut. Et donc là, dernier scoop. Petite vérification. Non, j'ai plus de scoop. Donc il va falloir que je le recharge, entre guillemets. Il faut recharger donc le scoop, donc simplement en grimpant ici. Ah, voilà. Il y a plusieurs scoops pour le faire. Et donc ici, on va faire un peu comme le premier. Dommage. Mauvais angle. J'ai pas réussi à arrêter des effets de shield. Alors c'est très compliqué de le faire sur la manette pro. Donc là on recharge son scoop. Et vous voyez en fait la marmite, enfin le couvercle de marmite va bientôt se briser. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et voilà, ça passe une dernière fois. Et ici il passe tranquillement. Donc en temps normal on fait toute cette première phase avec un seul shield, avec un seul bouclier. Il en a pris un deuxième au cas où son premier casse, justement parce que s'il rate beaucoup trop de scoop. Si son shield casse, en fait, bah c'est la fin du speedrun, tout simplement. Parce qu'il faudrait en récupérer un, ça perd énormément de temps. Il faudrait retrouver des bokoblins, donc les petites créatures rouges, ou bleues d'ailleurs, qui peuvent vous en donner, s'ils en ont d'ailleurs. Mais comme il y a très peu de spots au début de bokoblins qui peuvent avoir des boucliers, du coup, bah, il en a pris un en sécurité dans le premier sanctuaire, histoire de s'assurer d'avoir un deuxième bouclier pour réaliser justement ces différents glitches. Et donc, les bombes à distance auront des carrés. Donc là, on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi il y en a deux types. La ronde va permettre tout simplement de pouvoir se déplacer sur les pentes. La carrée pour rester sur place et éviter d'avoir justement timé ses bombes. Et donc là, on envoie le dernier. On envoie le bouclier. Et donc ici, donc, tout simplement, il n'y a pas besoin d'envoyer la bombe. On peut les casser d'en dessous. D'ailleurs, on n'a pas expliqué, mais je cours à l'infini. Hein. Ah oui, effectivement. On voit en fait Link qui court à l'infini. En fait, il perd un petit peu de sa barre. Et puis d'un coup, il continue de courir, mais il recharge. Comment ça se passe, en fait, c'est que dans le jeu, on peut appeler son cheval. Son cheval, son poney, un peu tout ce que vous voulez. Hein. Tout ce qui est à quatre pattes, qui est grand et qui court. Hein, on peut... Dans le DLC, je crois qu'on peut même se Alors, mettre sur des ours. DLC, hein. Je suis un speedrunner, je n'ai pas fini à 100% du jeu. Je crois que sur ma save de base, j'ai genre 11% du jeu. Mais, c'est l'histoire. Mais voilà. Du coup, ouais, on peut manipuler même on peut même se mettre sur un ours. Donc si on trouve un ours, hop, on le chope et puis on grimpe sur un ours. Donc comment ça se passe en fait, c'est que du coup, cette mécanique en fait, pour appeler son cheval, ou enfin, en tout cas son destrier, on va plutôt l'appeler comme ça, il faut tout simplement maintenir le bouton bas, je crois. Hein. C'est le bouton, oui. la croix la directionnelle croix bas. Voilà. Et en fait, tu appuies plein de fois sur B. Et on appuie plein de fois courir. Sur B, et en fait, ça va en fait, entre guillemets, annuler l'animation de la course pour relancer l'appel du cheval. Et tout simplement, donc votre barre, elle va jamais tomber. Et en fait, ça va vous permettre également de monter des pentes à l'infini, quasiment grâce à cette technique. Et si la pente est trop hard. Est trop grande pour vous, oh bah, faites cette technique, vous allez voir, ça passe. Ça passe pas partout, mais ça passe. Ça vous permet en tout cas de recharger un petit peu votre endurance et de pouvoir regrimper. C'est vraiment cassé. Et ils l'ont jamais corrigé d'ailleurs. Non, jamais. Donc, c'est une bonne chose, hein, on va pas s'en faire. Donc là, un gardien qui. Les gardiens, c'est les créatures. Une
une des deux créatures les plus puissantes du jeu, on va dire. Parce que les gardiens vont vous suivre jusqu'à la mort, et littéralement jusqu'à la mort. Tant qu'ils ont un visuel sur vous, ils vont vous traquer et ils vont vous viser avec leur laser qui vont quasiment vous tuer en un coup. Ça fait, je crois, 5 ou 6 cœurs de dégâts de base. Oui, quelque chose comme ça. Et à ce niveau-là du speedrun, vous avez 3 cœurs. Donc quasiment n'importe quel ennemi, même les beaux goblins bleus, vous tuent en un coup. Parce que les beaux goblins bleus, lorsqu'ils vous tapent avec leur batte, ils vont vous faire 2 cœurs et 3 quarts de dégâts, je crois. C'est juste pour vous dire, voilà, tu vois, ça c'est le premier ennemi sympa que tu rencontres. Il te tue presque en un coup. Donc fais quelque chose pour tes équipements, parce que ça va pas le faire sinon dans la suite du jeu. Donc, il va nous dire bonjour. Tiens, un cadeau. Tiens, prends. It's dangerous to go alone, take this. Voilà. C'est un peu le tutoriel de Zelda. Hein. Voilà, c'est. Écoute, nous on n'a pas d'épée à te donner. Ça pour le coup tu te débrouilles, tu trouves des branches d'arbres, des épées rouillées, ce que tu veux en fait. On s'en fiche. Nous, ce qu'on va te donner, c'est ça. Voilà, donc c'est dangereux d'aller tout seul. Démerde-toi. Et donc, un dernier bullet time bounce. Le dernier, ça fera 4 sur 4 si je réussis. Et ça fera 4 sur 4 consécutifs. Et celui-ci est plus simple à gérer. Hein. J'utilise le setup d'un runner japonais appelé SVA. Très très connu. SVA, très très connu, effectivement. Donc là, très très fort. Des side-up, on donne des coups, on vise correctement, on attend qu'ils réagissent, on retape. Et ici, on va sauter. Et Bullet Time Lunch réussi encore une fois. Et regardez un peu cette vitesse. C'est complètement hallucinant. Vous allez voir, c'est. On va même surfer, glider, enfin, tout n'importe quoi. Et donc là, on sort la voile et on maintient la vitesse. C'est pour ça que la technique est très très utilisée, parce que les grandes plaines d'Hyrule, pour ceux qui y ont joué en tout cas, savent que c'est très très long. C'est aussi le but, hein. C'est quand même que vous ayez de l'exploration à faire. Hein. Parce que bon, dans le jeu, il y a quand même un certain nombre de sanctuaires. Et donc ici, on va juste faire un launch avec un arbre. Voilà, je réfléchis, comment récupérer une flèche surtout? Parce qu'il a besoin d'une flèche. Bon, j'ai un peu changé ma route, du coup. Donc on prend l'armure de Spectre pour augmenter son attaque. Vous l'avez vu, en fait, il y a les armures et les armes ont des caractéristiques. Celle-ci, elle est fixe. Donc là, on se baisse. Hein. Non, on fait exprès, en fait. Avec tous les scouts que j'ai accumulés, forcément, il y a un effet appelé l'effet Ragdoll. Et du coup, ça m'empêcherait de faire ce que je vais faire. Toi, c'est quoi une Ragdoll? C'est genre les petites... Tu sais, tu balances dans les escaliers. Ah oui. Donc là on va servir de la bombe pour rediriger correctement le... Et donc il va sauter tout simplement pour essayer de se faire éjecter. Non. Donc il sauvegarde pour recharger sa... Pour tout simplement pouvoir recharger derrière si jamais il se rate, parce que... Il va avoir 3 cœurs. Pour retourner à 3 cœurs, pour retourner, parce que ça lui fait perdre énormément de dégâts de se faire se prendre un projectile à cette vitesse. C'est 2 cœurs, donc c'est... En fait, le jeu ne comprend pas, il peut pas nous tuer en un coup avec cette technique. Donc du coup, il nous laisse forcément un cœur. Et derrière, comme on roule, on prend encore des petits dégâts, parce qu'on s'écorche le bras. Donc on voit, il y avait 3 cœurs. Le château, ça va faire un peu aller-retour, parce que je vais devoir aller chercher les flèches, revenir faire la potion, tout ça. Ouais. On verra bien. Donc tout ce que vous voyez, X apparaître là, tout ça en fait c'est des DLC. Hein. X, le masque ancien. C'était juste un truc que j'ai bien avant. Trop tôt. Donc faut vraiment avoir un timing très 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 précis pour pouvoir se faire éjecter. Et vous allez voir, en fait, il va tout simplement encore une fois se faire éjecter dans la direction qu'il désire. Et après, bah, on a juste à sortir le paravoile et puis on est bon. Hein. On est bon. Mais une fois qu'il faut vraiment réussir ça, parce que sinon ça fait perdre vraiment beaucoup de temps, il faut escalader toute la tour de Ganon. Enfin, tout le château d'Hyrule qu'on voit au large là-bas. Enfin, pas encore. Alors, je vais juste faire un truc, pour voir si ça. S'il n'y a aucun monstre qui apparaît. Vous voyez, j'aime pas trop lui là-bas.
Ouais, on voit les gardiens qui sont très présents autour du château d'Hyrul. Donc encore une fois, Cinétis. Qu'on le voit, ça donne beaucoup de coups d'un coup, hein, parce qu'il y a beaucoup de sections de l'arbre en fait qu'on peut taper. Encore trop tôt. En fait, le timing est très très précis. En gros, tu as 8... je sais pas si tu entends, il y a 8 bips. Et c'est à partir du 6e ennemi qu'il faut sauter. Ouais, voilà, donc le timing est vraiment très très serré, et c'est compliqué à faire. Donc je vais le laisser se concentrer. Avec beaucoup de son, ouais, je vais le laisser se concentrer du coup. De toute façon, maintenant on sait ce qu'il veut faire. On a le principe de ce launch. On va reprendre le radis. Histoire d'être tranquille. Ouais, de toute façon, si j'ai pas 3 cœurs, je meurs directement. Et voilà, super. Yes. Parce qu'en fait, vous voyez, tout simplement, il y a énormément d'ennemis. Ouh, j'ai cru que ça allait, allait atterrir sur cette partie du château. Parce que toute la partie qui est ici, en fait, il y a énormément de gardiens. Si vous voulez pas vous emmerder avec les gardiens. Donc là, d'ailleurs, il y a un coffre qui a pas chargé. Il va sûrement charger, mais voilà. On vient de le voir apparaître comme ça. Mais quand on va trop vite, vraiment, le jeu, il a du mal à charger tout d'un coup, en fait. Il y avait vraiment énormément de décors, énormément de choses. Récemment, il m'est arrivé d'arriver au château et d'avoir rien du tout chargé en fait. Donc là, encore une fois, on va activer comme ça. On va repositionner avec la bombe qu'on a placée au préalable. Donc voilà. Hein. Ah. On a perdu l'inertie. Je ne comprends pas. On va devoir tous retaper du coup, c'est dommage. Ouais, c'est génial. Peut-être faire une save si jamais. À ce moment-là, je sais pas si c'est possible. Si. Donc voilà les marathons. C'est toujours comme ça que ça se passe en marathon. Exactement. Ah mais attends, mais ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir l'inertie quand je saute ici. Intéressant. Donc on récupère le gros radis. Gros radis max qui, lorsqu'il est cuisiné, vous permet d'avoir des cœurs supplémentaires. En fonction du radis, en fonction de l'item max, dit max, vous allez pouvoir avoir plus de cœurs. Et notamment, je crois que ça régène toute la vie d'un coup, qu'importe la potion avec un objet max comme ça. Un peu trop tôt. C'est vraiment frustrant. Hein. Oui. même pour les gens du public, je pense, et pour les viewers du chat. En fait, je suppose que ça n'est pas passé avec la grosse plaque par rapport à ma position. J'aurais peut-être dû me mettre un peu plus bas. C'est vrai que tu t'es mis vraiment bas dans la vidéo que j'avais regardée. Sachant qu'en fait, techniquement, plus t'es haut, plus t'as chance d'aller haut et d'atteindre directement la salle à manger. Oui, parce que nous, on est des grosses bouffes, hein. on vous l'a pas dit, mais notre objectif, c'est manger tout ce qu'il y a au château. Ah, super, voilà. Ok. Yes. Donc là, le pas, voilà. Donc là on va faire une save histoire de s'assurer de ne pas avoir à refaire ce tricks parce que bon on n'a pas envie de... Sauf là on va avoir un ennemi de la joie qui va me viser. Non, pas d'ennemi, ok cool. Ah si. Et... Donc on va attendre un petit peu ici le temps qu'il s'en aille je pense. Donc, non, c'est un fixe. Ah c'est un fixe, bon ça va, c'est un fixe. Parce qu'en fait il y a deux types de gardiens, il y a les fixes et il y a les... Donc là de toute façon il ne peut pas nous voir. Mais il s'est réveillé, mais c'est pas grave. Il ne peut plus nous viser. Ah, voilà. Ok, super.
Et donc on va arriver quasiment à la salle à manger, il faudra faire attention de là où on va atterrir. Alors juste par précaution, moi je vais atterrir plus bas. Pour aller voir si je peux pas récupérer des flèches. Ok. Donc là on arrive dans le château d'Hyrule, infesté des créatures et du domaine du mal. Donc ici normalement il y a un petit coffre peut-être. Ah non, pas dans cette salle. Ah, des flèches. Oh, j'en ai au moins une. Électrique et de glace. Sauf qu'il m'en faudrait des normales pour pouvoir allumer un feu. Et non. Des flèches. Ah, c'est des flèches, c'est pas des flèches de feu. Non, heureusement. Dommage. Parce que les. Donc, ce qu'on appelle les drops, donc les consommables qu'on peut récupérer donc sur les caisses comme ça, ils sont aléatoires au niveau de leurs apparitions. Donc, on espère que notre cher ami Zelkis va avoir de bons drops sur les caisses de la salle à manger, enfin derrière la salle à manger. Oui, je vais aller chercher les flèches où il y a Clément en fait. Voilà, où là en fait dans la salle d'armes. C'est un peu la salle d'armement. Donc là ici, une arme qui se trouve tout en haut, on la récupère. Un arc royal, un des meilleurs arcs du jeu. On équipe pour faire plus de dégâts au cas où, bon, en prévision. On récupère et on se goinfre de... Les bouffes, donc cristal de 700, on s'en fiche. La banane. L'aileron de Moldarkor. Alors, Moldarkor. Alors, ça, c'est un. C'est des créatures, en fait, des sables hyper grands. Qui vont venir vous gober, en fait. C'est un peu des baleines de sable dans le jeu. Et je sais pas du tout comment tu vas te débrouiller pour récupérer une. Quelque chose qui va pouvoir allumer le feu, en tout cas. Ok. Donc, you game over. La bombe était trop proche. Mais généralement, c'est très rare qu'ils nous suivent. C'est totalement RNG. Bah, c'est vrai qu'en temps normal, ils sont censés rester dans leur salle, mais. Sinon, tout serait bien passé. Au moins, on est déjà au château de Ganon quasiment. Voilà. On a juste à refaire un bullet time. Enfin, c'est pas un bullet time, un lunch tout simplement. Bah là en fait je réapparais dans la salle à manger. Ah donc ça va, donc ok. Parce qu'il y a une sauvegarde automatique. Oui voilà. J'espère avoir un peu de chance cette fois-ci. Sachant que tout à l'heure tu es témoin, ça ne s'est pas passé, ils m'ont pas suivi. Non tout à fait, ils t'ont pas suivi, effectivement. Mais bon. C'est ce qui arrive en speedrun, en marathon, toujours. Non ! J'ai peur. Donc là, normalement, en espérant qu'il faut aller très loin. Ok, il a suivi. Il va falloir faire attention. C'est bon, on n'est pas mort, il faudrait peut-être se soigner, je sais pas. Donc on va changer un peu la route forcément, puisque du coup... voilà, on va le tuer en un coup. Peut-être penser à équiper aussi sa tunique. Pour être sûr de faire maximum de dégâts sur les ennemis, comme ça on est tranquille. Donc là on va prendre... Donc on garde bien le scarabée max, hein. Enfin le scarabée lame pardon. Et on récupère des armes, des espadons, des choses comme ça, des boucliers. Parce qu'on va en avoir besoin. Donc la salle des armes. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme drop? On a déjà cassé deux, je sais pas si c'est... Donc flèche en bois. Oh, pas mal de flèches. Beaucoup. Oui, il y a vraiment pas mal de flèches. Là c'est bon, on est bon. Au niveau des flèches, on a énormément de flèches, c'est parfait. Mais il manque quand même quelque chose. Il manque des flèches explosives? Non. Quelque chose de très utile. Un feu. Oui. Mais surtout une potion. La potion, exactement, mais que tu n'as pas encore faite parce que tu n'avais pas de flèche justement. Donc là tu vas retourner dans la salle à manger, je présume, pour aller allumer ce feu. Les fans de Johnny, c'est maintenant qu'il faut crier.
Donc le champi lame, donc tout ce qui s'appelle lame va augmenter l'attaque. Tout ce qui s'appelle enduro, c'est l'endurance. Tout ce qui s'appelle je ne sais plus. Il y en a différents. Il a pas été tué. Non, en fait, il doit être placé de telle manière à s'éloigner du feu et de la marmite. Et normalement, on peut les. Ça va, on est tranquille là. Il y a une save auto qui s'est faite. On peut les tuer en un coup si en fait on les surprend. Et le fait est que de lancer sa bombe, en fait, ça les active en disant bah, tiens, regarde, il y a un truc, tiens, on va taper dedans, c'est marrant. En fait, c'est juste qu'ils savent que c'est une bombe et que ça va leur exploser à la tronche à n'importe quel moment, donc ils essaient de la décaler au maximum. Et comme ils sont occupés avec ça, et ben, tout simplement, on a l'occasion de pouvoir les tuer, et au moins en tuer un, et de récupérer en fait son arme, en fait. On le stun pour récupérer son arme. Voilà, donc le brise-roc. Alors, si je peux avoir le feu... Non. Non, là, ils vont être trop capables. Là, il va me détecter automatiquement. Donc, en plus de ça, en plus d'être très spécifique, donc il faut être très rapide aussi dans l'exécution. C'est pour ça que c'est pas du tout anodin comme speedrun. Mais ça reste un jeu quand même, je pense, relativement dur. Autant le plateau, ça peut être facile à prendre en main, mais une fois arrivé au château, c'est un peu l'enfer. Bah, c'est surtout qu'on n'a pas le temps à l'erreur, en fait. On n'a pas le droit à l'erreur du tout. Chaque ennemi va quasiment nous tuer en un coup, vu qu'on a une défense de 8 qui est ridicule. Les meilleures défenses montent à 70, je crois. Donc voilà, on récupère son arme. Brise rock. Le feu. On active. Ça, on prend. Et donc on prend la recette avec le maximum d'objets différents. Ça va nous donner une potion d'attaque plus 2. Alors sachant qu'avec de la chance, on peut avoir une plus 3 qui dure 9 minutes. Avec de la chance. Donc là, j'ai ralenti quelques fois exprès pour pas me faire détecter par les autres moblins. Donc voilà, on va se déplacer maintenant vers la suite. Dans une salle un peu spéciale pour récupérer d'autres équipements. J'espère qu'il va pas me sniper, parce qu'ils peuvent tirer un espèce de filet de bave absolument immonde qui te snipe. Lui, faut que j'aille vite. Donc on le snipe et il s'est fait exploser, je crois. Non, il tire dans le mur. C'est lui qui a des flèches de feu du coup. Les flèches explosent. Le feu et l'explosif ne sont pas pareils. Ah, donc c'était une explosive celle-ci. Parce que ça fait un petit temps que j'ai pas joué au jeu. De rien. Donc là on passe derrière lui. Surprendre, one shot. Tac, on récupère le boomerang les ailes. Donc là aussi il y a une save qui est faite automatiquement. Voilà, on récupère également notre bouclier et ici on va avoir le droit au dernier launch. Donc celui-ci est un peu plus simple, même si le placement pour la flèche à décocher est assez tricky, assez difficile. Donc on utilise l'espadon, l'arme qui fait un peu moins de dégâts de tout ce qu'on a. Voilà, ça passe. On récupère la flèche et on se retourne parce que l'objectif est ici. Voilà, super. Et donc on arrive au niveau de la salle du trône. Enfin, c'est pas vraiment la salle du trône. Donc on s'équipe correctement. Donc vous voyez, quand on perd son endurance, hein, on est obligé de marcher encore plus lentement que la vitesse normale de marche de Link. Et donc, on utilise sa potion juste avant d'entrer. 4 minutes 50 pour tuer les 4 boss qui arrivent. Donc les ombres spectrales, un peu comme dans Call of Time, les Blights de ce jeu, qu'on peut faire pour récupérer des pouvoirs différents, des pouvoirs spéciaux qui nous permettent de voler, de se protéger, d'avoir plus de vie. Donc ici, il s'est agrippé au mur, simplement en fait pour lui faire lancer des lasers. Il lui enchaîne une phase de 3 coups, puis une phase de 4 coups. Et ensuite, il va essayer de le toucher plusieurs fois, parce qu'ils ont plusieurs hitbox actives. Donc première phase en un coup, parfait. Pas mal de double hits. Il y a eu pas mal de double hits qui se sont déroulés. Première phase qui se passe plutôt bien. C'est vraiment que j'ai pas expliqué, mais en fait, quand on se retourne et qu'on fait une spin attack, ça fait des double hits. Alors ici, du coup, on va lui envoyer des flèches dans la tronche. Les dégâts critiques
dans la tête, du coup, ce qu'on fait beaucoup plus de dégâts. Ici, on va charger son épée. Enfin, on va faire la même chose. Il est pas mort encore, justement. Il est remonté très vite. Beaucoup de flèches. On va les utiliser. Et voilà, c'est parfait. Un coup critique dans la tête avec une flèche de foudre. Et on est bon. Deuxième boss, on lui envoie directement l'arme, la lance dans la tronche. Elle fait énormément de dégâts déjà dès le début. En coup critique, c'est parfait. Et ça le stun surtout, et c'est ce qu'on veut. On utilise le brise rock, il va faire énormément de dégâts. Et on enchaîne avec une attaque triple. Et voilà, là c'est bon. Première fois ce qui se passe sans un combo, vous voyez, hein, les boss sont pas très compliqués hein, quand on sait comment les gérer. À apprendre c'est très dur. Mais à apprendre c'est pas évident. Hein. À apprendre j'ai dû genre mettre 10 heures environ. C'est vraiment long, hein. pour un apprentissage de boss en speedrun, je vous avoue que 10 heures c'est très long. Mais en même temps le jeu requiert cette connaissance très spécifique. Donc ta flèche de foudre. Un tir dans la tête, un autre tir dans la tête, il tombe. On va l'enchaîner. Donc il va falloir recommencer cette phase. On récupère ses flèches. Un coup, deux coups. Donc là vous allez voir, il va tomber quand même, il va finalement tomber. Ah non, il tombe pas. Ah ok. C'est très rare que ça arrive, mais je n'avais jamais vu ça. Bon bah tout à l'heure en pratique, j'en ai eu un qui tipait dans le sol. Donc là de toute façon il va finir par mourir avec les flèches, même pas une petite dernière flèche n'importe où et puis c'est bon. Donc c'était la deuxième ombre. On va avoir droit à la troisième ombre maintenant, l'ombre de feu de Ganon qui peut se rendre quasiment invulnérable avec un bouclier. Et c'est justement ce bouclier qui nous est donné comme pouvoir après avoir battu ce boss et délivré l'esprit de d'Arumani, je ne sais plus son nom. J'ai fait le jeu, c'était il y a un an donc. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai fait le jeu aussi. Mais très très dur comme fight en casual. Mais le chat me corrigera sur le nom de ce personnage. Parce que ça ne doit pas être Darunia. D'ailleurs un des pouvoirs les plus puissants qu'on va récupérer, c'est également le boss le plus difficile du jeu. Hein, en termes de. Pendant ces boss là. Donc là ici la bombe elle va se faire aspirer par l'écran de flamme du boss. Un dégât sur le sol, ça va lui faire quand même pas mal de petits dégâts. Et donc on se retourne. On va briser son brise rock. Quelle ironie. Et un dernier coup. C'est bon. Ok. Ça voulait pas, hein. On était à côté mais. Link chasse des mouches. Et donc là, mauvaise RNG donc ici. Là qu'on préfère qu'il vienne nous attaquer directement, comme ça il est tout de suite au corps à corps. Encore une fois cette deuxième phase avec cette boule électrique qu'il nous balance. L'électricité c'est un des éléments les plus forts dans le jeu d'ailleurs. Donc là on brise son bouclier pour pouvoir enchaîner une deuxième phase. Bon, deuxième phase. Donc voilà, une fois qu'on leur passe en dessous, enfin à 50% de points de vie, déjà il faut savoir que même si vous faites un dégât qui est à 51%, ça va pas le passer en dessous, hein, ça va le passer à 50. Et donc la deuxième phase. Bien plus énervé en temps normal et il faut se servir de. Dans le. Enfin, classiquement, on aurait plutôt tendance à se dire la foudre est attirée par les éléments métalliques, donc autant faire voler quelque chose de métallique pour attirer la foudre dessus. C'est comme ça que moi je l'avais fait en tout cas, je l'avais tué comme ça. Il faut savoir que si on les tue dans leur sanctuaire. J'ai eu le brisage du bouclier très rapide. C'est parfait. Donc c'est vrai que moi je me souviens l'avoir tué en utilisant une arme métallique au-dessus de sa tronche. La foudre s'est abattue sur lui et ça lui a fait des dégâts. Donc là. Allez, la phase la plus dure. La phase la plus dure, le dernier boss, Calamity, Ganon, le fléau. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois faire ça d'ailleurs en première attaque. Mais bon, on peut faire des esquives, voilà, qui vont arrêter le temps. Donc, le fait d'avoir beaucoup de flèches, ça va lui permettre de mettre énormément de dégâts parce que c'est un boss qu'on n'a pas spécialement envie d'approcher.
Donc là, on va aller récupérer des équipements sur la droite, sur la gauche. Donc, avec le bouclier, on peut parer les lasers. Donc là, des flèches explosives. Donc on en a que 10, donc on va faire avec, de toute façon. Hein. Donc on a trop de... Ouh, le one-shot. Bah on va devoir se retaper les blights, malheureusement. J'ai pas compris, en fait, je voulais ramasser le bouclier et ça a pas voulu. Bah, t'avais trop de bouclier. T'avais trop de bouclier. C'est pour ça, en fait, comme tu as pris un bouclier en plus au début, tu avais trop de bouclier. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a pu te tuer derrière. Ce sur quoi je voulais pas mourir. Hein. Justement, voilà. On est reparti pour une phase de 10 minutes. 5. 5 minutes plus le boss, en tout cas, voilà, à peu près 10 minutes si tout se passe bien, on l'espère. La potion est déjà utilisée, pas de problème. Non mais vraiment, même les meilleurs runners meurent sur du KMT. C'est un boss très très compliqué. Très très compliqué. Et encore, l'avantage qu'on a en casual, c'est que on a déjà il a quasiment la moitié de sa vie. Voilà, c'est vrai que quand on fait toutes les ombres avant ça, en fait, on a libéré les âmes des guerriers un peu comme ceux qu'est Link, ce qui permet en fait de réduire sa vie déjà de moitié. Donc ce qui rend le boss trivial en fait. Ah, il lui reste un petit coup à mettre. C'est dommage. On voit Link souffre quand il a plus de stamina. Il fallait encore deux coups. Je vais essayer de vous sortir le chat d'ailleurs. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors automatiquement il envoie une tornade avec cet ange de vue. Donc là, à chaque fois que vous faites une nouvelle action, en fait, ils vont vous dire, regardez, vous avez fait un coup critique. Vous avez tapé dans la tête de l'ennemi, fait deux fois plus de dégâts. Voilà, donc le problème de cette attaque, hein, c'est vraiment qu'elle va rester à taper sur le sol quasiment. Voilà, c'est bon. Donc là, l'arme s'est cassée malheureusement. Donc on va devoir switcher tout de suite sur le brise rock. On va recommencer ces phases encore. C'est vrai que c'est le passage le plus le plus embêtant en fait quand on meurt sur Calamity. Donc là il a gardé un petit peu de stamina pour pouvoir continuer à frapper sans problème. Donc double attaque comme ça, pas mal. Ah c'est dommage, hein, vraiment. Il manque encore un ou deux coups. Et un seul coup, voilà, c'était ce qui manquait, c'est dommage. Avec Calamity, c'est que c'est vraiment full random, impossible de dire ce qu'il va faire. Et puis le boss fait très très mal de base. On n'y va pas comme ça normalement, en temps normal, quasiment à poil. Attention, je vais certainement me plaindre après cette run. Hein. Oui, c'est la manette, oui. La RNG n'a pas été favorable. Exactement. RNG, pour ceux qui ne connaissent pas dans le public, c'est tout ce qui génère. Le random number generator, ce qui génère en fait aléatoire dans le jeu. Donc toutes les attaques que vont faire certains boss seront aléatoires, hein, pas mal de choses comme ça. Donc là cette fois-ci il est tombé et on va pouvoir l'emmêcher. Et il est remonté très vite. Voilà, et ça c'est justement une des phases aléatoires. Je t'en avais un peu parlé de ce problème là. Ouais. C'est que des fois il remonte très très vite. Mais c'est pas grave. On réutilise une flèche de foudre qui va pas vraiment nous servir plus tard. Pour pouvoir terminer cette phase. Ah, ça va pas se tenir. Donc les boss vont vous faire très très mal. Hein. C'est pas des boss qui sont là pour rigoler. Ils ont d'ailleurs des armes, ce qu'on appelle des armes gardiens. Donc l'arme est brisée, on a dû l'utiliser un peu plus de fois que prévu. Donc vous voyez la durabilité des armes, hein, sur certains boss, elles fondent à une vitesse incroyable. Mais c'est vrai que cette mécanique d'armes qui se détruisent, elle était intéressante.
coupe à la bombe qui se fait aspirer, elle explose. Donc l'épée garde royale, elle va toujours exploser au bout de 6 coups ici. On a pu lui mettre 2 petits coups avant qu'il ne s'en aille. Donc je suis désolé le chat, hein, je n'arrive pas à vous récupérer sur mon téléphone, heureusement. Allez, on encourage notre runner pour la dernière phase avec le blight de foudre. Donc là il va attaquer tout de suite. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle il se déplace. Et donc là tout de suite il est au corps à corps, il n'est pas dans les airs, c'est beaucoup plus appréciable, on va pouvoir l'enchaîner beaucoup plus facilement. Il va nous lancer quand même ça. Ouh, j'ai cru que ça allait toucher. J'ai eu peur. Voilà, donc vous voyez un peu les... C'est un peu cassé des fois, ce qu'on appelle les hitbox, hein, ce qui va permettre de savoir si on touche ou non l'ennemi. Combien de fois je me suis vu à rater des coups en spin attack comme ça, parce que l'ennemi remonte. Franchement, alors on va arriver sur Calamity, c'est horrible. C'est comme arriver à mourir deux fois, c'est vraiment horrible. Même les meilleurs meurent dessus. Tellement c'est... Donc on attend qu'il relève son bouclier. On va au stun avec une flèche bien placée, parfait. Sachant que là, c'est la mort. Parfait. Et une dernière phase normalement avec l'espadon qui devrait achever le boss. Parce que l'espadon, c'est très très fort. On le restun une dernière fois en lui brisant encore une fois son bouclier. Et parfait. Ok. C'est parti, on encourage le runner, on encourage Elkis. Parce que c'est vraiment le boss le plus compliqué à gérer. On a raté la première phase. Je préfère cette attaque en fait. Cette attaque est plus simple à voir venir, en tout cas elle prend plus de temps. Il faut savoir que le timing sur chacune des attaques est différent donc... Alors, avant que ça arrive... Voilà, on va jeter ce bouclier tout pourri. Là faut faire attention aux gerbes de flammes. Je pense qu'il va me... Ah ça va. Il a pas brûlé les... Ouais. Donc là on va essayer de parer son attaque. Vous voyez hein, le fait de parer son attaque ça va lui permettre de renvoyer les dégâts. Donc là en fait une fois qu'on voit aussi ce vent qui monte comme ça, on peut aller techniquement utiliser la paravoile pour voler un petit peu, pour planer légèrement et pouvoir justement utiliser le bullet time pour... Mais bon ça fait perdre du temps. Parfait. Ça va le roster encore une fois un petit peu. On vise la tête au maximum avec les flèches explosives. Ça fait énormément de dégâts les flèches explosives. On a raté tous les coups critiques, c'est dommage. Donc là une flèche explosive pour le faire tomber. Une deuxième. Parfait. Il va tout simplement tomber ici tranquillement. On le stun. On attend là ici bien comme il faut, le timing est pas si simple que ça à gérer. Et on va l'enchaîner au corps à corps. Et on espère que la deuxième phase de boss va se passer correctement. Pour l'instant on n'a pas encore fini cette première phase. Vous voyez en plus c'est un gros sac à PV ce boss. Donc voilà, il faut alterner avec les bonnes armes. Pour garder les armes nécessaires. Donc on a récupéré un espadon royal. Pour faire en sorte justement de pas trop... Voilà, donc on sort le bouclier. Ça au moins c'est des dégâts gratuits hein, si, pour un speedrunner en temps normal. Mais il faut savoir qu'un laser ça détruit un bouclier. C'est inéluctable. Il y a peut-être que le bouclier le plus puissant du jeu qui ne se brise pas en un coup avec cette attaque mais... je ne suis même pas sûr. J'ai jamais osé tenter. Bon voilà le très très bon sniping de la part de Zelkis. Ah ouais, donc il sortait l'épée, donc malheureusement, ça fallait avoir cette épée sortie. Ça a touché. Après, il y a le feu, hein, c'est... J'allais dire, le feu, ça brûle. Effectivement, le feu, ça brûle, mais c'est pas ce que je voulais dire. Le feu, ça fait vraiment déjà beaucoup de dégâts. Et la petite flèche qui va faire passer le boss en phase 2. Yes. C'est bon. Là, on espère que tout va bien se passer sur sa deuxième phase. Invulnérable à certaines conditions.
Kubos se rend les invulnérables dès qu'on le touche, enfin dès qu'il l'attaque en fait tout simplement. C'est à ce moment-là qu'il faut aller le toucher. Et donc on va le stun lock, parfait. Avec un timing assez précis. L'onde de choc va le stun lock, donc va le bloquer dans cette animation, il va redevenir vulnérable, il va retomber au sol. Parfait. Double hit ici. On n'a plus de stamina, c'est... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va recommencer une phase comme ça, il n'y a pas de problème. Parfait. On va recommencer la phase de stunlock, c'est parti. Le stunlock qui va refonctionner encore une fois, parfait. Vous voyez, ce boss se fait littéralement vaporiser par les attaques au sol qui vont annuler son invulnérabilité. Donc voilà, il faut sentir que l'onde de choc touche juste avant qu'il ne redevienne invulnérable, sinon ça ne marchera pas. Parfait, encore une fois. Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas, malheureusement. Dernière phase encore une fois, là, toute dernière normalement. Allez, attaque-moi. Ça va. Donc là, faut vraiment utiliser la mécanique du pari, comme je vous le disais. C'est dès qu'il attaque qu'il devient vulnérable. Et c'est fini. Ok, on n'en est pas encore au time final. Il reste une dernière petite phase. Plutôt triviale d'ailleurs, mais qu'il ne faut pas négliger quand même. Ah tiens, je vais vous montrer un petit glitch qui est très utile dans les autres catégories. Avec un arc. Donc là, même si je meurs, il n'y a aucun souci. Je réapparais. Bon, des fois on tue le cheval, mais faut pas le dire. Donc là, si j'appuie sur L, que je vise avec l'arc, que je saute et que je rappuie très vite sur A, ça me donne une stamina infinie en fait. Oh, c'est génial. Ça, en fait, ça, c'est comme si en fait on était plus sur le cheval en fait, mais qu'on est, on l'est toujours. C'est génial. Le cheval, c'est génial. Donc là, cette phase où Zelda et tiens, un cheval. Bonjour le cheval. Et donc là, vous voyez, c'est les ondes de lumière, l'arc qui tire tout droit à distance infinie. Il faut réussir à viser ces points lumineux pour tout simplement finir cette phase. Donc vous voyez l'arc de lumière, les flèches de lumière, toujours et encore et toujours l'item qui va finir ce jeu. Et tu vois, il a un peu bugué le compteur, on comprend pas. Le compteur. En général, Zelda le stun quand il commence à balancer son gros laser. Parfait. 3 hits parfaits. Sans pression. 3 de combo. L'association rennaise. Exactement. Tu as vu dans mon esprit. Organisateur du Stunfest notamment. Il y aura Topa Plaisir Waldo. Hein. Donc là, encore une petite phase. Cette petite phase plus simple parce que ce sera en dessous de Ganon, la bête. Oulala, c'est dur de viser. On va pouvoir enfin l'achever. Et le time qui va bientôt arriver, donc je laisserai Zeltis sortir le time parce que c'est lui qui va sentir quand il va réussir à toucher fait du glide sur donc on se positionne devant. Ah, la tête est du mauvais côté. 3, 2, 1, time. Non. Ah dommage. Est-ce que ça va sub une heure? Voilà. Est-ce que
que je vais mourir là-dessus. Non, non, ça va. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ah, ça c'est une tristesse. Time. Time. Oh, à 3 secondes. Ouais. Si on retire la minute 6. Si on retire la minute 6, on est estimate. Voilà. Donc on est dans estimate finalement, puisque là il faut retirer techniquement 1 minute 6 par rapport au speedrun, par rapport au temps que Zelkis avait prévu. Donc on est sur un 58 minutes et 57 secondes. Au final, un plateau qui s'est bien passé, le château un peu plus compliqué. Ouais. Le plateau était très très bon. Hein ? Le plateau était très bon. Le plateau était, était vraiment super. Il y a juste eu la mort dans le sanctuaire de Magnetis. Ouais, Magnetis. Magnetis qui a tué. Magnetis. Qui a tué avec le, bah, le un petit bloc de pierre. Le bloc de pierre sur la tête, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui. Mais sinon le run s'est super super bien passé, sauf justement la tour de. Enfin le château d'Hyrule qui a été un peu plus capricieux, on va c'est dire. Toujours la partie compliquée, surtout qu'à midi. Les blades, j'ai réussi first try. Voilà, et devoir les refaire après Calamity, c'est très compliqué. Hein, c'est voilà. Après, pour un marathon. Pour un marathon, c'est super. Franchement, chapeau bas. Donc, on va pouvoir passer au prochain jeu. Je ne sais pas. Non, Ink. 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 Suivi par Journey. Suivi de Journey, voilà, vous pouvez le voir tout en haut. Les jeux suivants. Alors que je crois qu'on a eu un don de 20€ de l'ONES, l'ONACHI. Ah, surtout 35€ de Rocher. Les 35€ de Rocher qui ont eu avant. Encore. Donc voilà les. On n'a pas le tableau des dons là ici. Je sais pas comment. S'il y a quelqu'un qui va faire l'annonce par rapport aux différents dons qu'il y a pu y avoir.